Welcome everybody for this 27th edition of the Little Cup here in Geneva, Société Nautique de Genève. Welcome. The Little Cup, more known as Little America's Cup, is the international championship for C-class catamaran boats. The Little Cup is both a sports competition, obviously, but also innovation story with a lot of passion and new ideas. And we are very happy to be partner of that fantastic event. Great sailors, great projects have been based in Geneva and Lake Leman. It's a wonderful center of yachting. We're all making friends and we're all learning about each other. And that was an ideal of international sport that's been lost in the Olympics. At the Little Cup, there is a rule. At the end of the week, everybody is showing his plans to the other one, everybody is sharing the best technology they found, and together they try to be more efficient, and that's why we are so happy to be linked to this Hydros project as Lombardier. This year, for this 27th edition, we are so proud to welcome seven beautiful teams coming from five countries. Groupama Selig team, skipper is Frank Camas, crew is Louis Viard, Team Gstaad Yacht Club from Switzerland, skipper Billy Besson, crew Mathieu Van Damme. Axon Racing from Switzerland, skipper Benoît Marie, crew Benoît Morel. Norgador Team, skipper Jean-Pierre Zieber, crew is Arnaud Sarofagis. Cogito 2015, skipper Steve Clark, crew Michael Costello. Sentien Blue, the skipper is Thomas Patch, and the crew is Philippe Walzak. Rafale ETS, the skipper is Mark Farmer, the crew is Trevor Teixeira. Un peu comme il y a deux ans, la première journée était un peu trop ventée. C'était un peu chaud. C'était un peu chaud, ouais. On a fait deux manches. Et première, on a cassé la dérive tribord juste à la bonne à l'arrivée. Mais bon, c'est mineur comparé à d'autres bateaux qu'on a pu voir dans un moment bon étoile. Le vent était tellement fort que ça nous a cassé les quatre tribes du bas. Bon, on a continué à naviguer. On a pu finir la manche, quoi. Voilà. C'était chaud. C'était chaud, ouais. Bonne journée. On a ramené le bateau entier, c'était l'essentiel. Today conditions were very different, more lake conditions with very light wind. So we've been waiting a few hours on the water to start the races and we could finally just start one at the end of the day. Let's go! À chaque fois qu'on sort, on apprend quelque chose de nouveau. Ça s'arrête jamais. On peut pas dire qu'on a été navigué, revenu sans avoir rien appris. Donc pour ça, c'est vraiment génial. Et puis les bateaux sont extraordinaires à naviguer. Ouais. J'ai rarement, voire jamais eu d'aussi bonnes sensations sur un bateau que sur ces classes C. Ces bateaux sont tellement à la pointe de la technologie. Déjà en bateau conventionnel, on a la sensation d'être libre, parce qu'on est libre sur la mer, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Mais là, on est plus que libre. What we've seen in the last few days with the predominantly light winds is that Frank has got a phenomenal boat. When it blows 5 knots, 6 knots and above, he's untouchable. Below 5.5 knots, he starts getting about even, and when we saw in this last race, when it really drops out, he's in trouble with the conventional boats.
C'est clair que c'est une belle victoire d'en être là et d'arriver en finale alors qu'il y a quelques mois on découvrait classé. Et voilà, ça c'est grâce à l'envie. I guess 8:30 tomorrow we go at it again. It'll be Frank against Swiss 104 and we'll see what happens. Phase finale, on se retrouvait avec Groupama face à Axon Racing. Donc Axon Racing, c'était un bateau archimédien. Groupama, un bateau volant, c'est un peu Icare contre Archimède. Ça s'est passé sur une première manche que Groupama a très bien navigué. Mais il y a eu une erreur stratégique à un moment qui a été faite par le bateau Axon, qui a laissé son adversaire partir. Et après, une fois qu'il y a eu une risée d'écart entre les deux, l'écart était fait, ils n'ont pas réussi à revenir. Sur la deuxième manche, on a vu un beau match au niveau du départ. Et là, on a vu une rotation de vent de près de 100 degrés. Et à ce moment-là, le vent est monté un petit peu, Groupama a décollé sur ses foils et là, elle a clairement largement dominé la course. On a vu dès le début que le bateau était bien au point, puis ensuite il a fallu faire avec les aléas de la régate, notamment ici du vent assez tordu et du petit temps, qui n'était pas forcément notre point fort avec des bateaux qui volent. Et voilà, un bilan super positif évidemment de la semaine et très content de voir que le bateau a encore bien progressé depuis 2 ans et qu'avec l'équipe de Groupama, on a fait un très bon travail. Ce n'est que mérité et c'est clairement Groupama qui ont le plus bossé. C'est un bateau fantastique et j'espère que ça va donner des belles idées vu qu'ils ont partagé tout ce savoir-faire avec les autres compétiteurs pour voir des bateaux encore plus efficients, plus rapides et qui voleront sûrement dans d'autres conditions pour la prochaine petite coupe dans 2 ans.